7:32 en Colombia, a las 8:50 aquí en nuestra señal principal, las emociones de la quinta etapa del Tour de Francia con todo el Team Caracol encabezado por nuestra querida Lola. Pero a esta hora, aquí en Punto de Meta, ellos no fallan, los colombianos. Bueno, algunos Y despertamos a Colombia. Llegó cansado y eso que no está montando en bicicleta. Hola, ¿de dónde vienen? No, venimos de Bogotá, algunos de nosotros desde Estados Unidos, de Bucaramanga. Sí. Bueno, pues bienvenidos. ¿Qué les gustaba este club? Claro que sí. Venimos de Rusia, ahora vamos a apoyar a todos los colombianos. ¿Qué es lo que tú tienes ahí que me estabas mostrando ahora como un trofeo? A ver, muéstrale a la cámara. Tengo fotos con todos los equipos. A ver, muéstrala. Tengo con Peter Sagan. Sagan. Atacuma. Sí. Otra vez Sagan. Y la de Gaviria. Ahí está la de Gaviria. Bueno, con estas imágenes, con esos momentos, cerremos con esta porque esta vale la pena. Esta es una lenta de cuando. 1983, non, c'est après. Et c'est avant 2008. Pardon? Non. 95, non, c'est pas ça. 98. Il y en a une fois. 1990. Un peu plus fort. 1998. Voilà, mais elle remarche, hein, c'est incroyable. 1998, bonne réponse, absolument. Ça fait 20 ans de partenariat pour Haribo sur les routes du Tour de France, c'est quand même pas rien. Hein. Eh oui. Deuxième question, quel est l'âge d'Haribo? Quel âge a Haribo cette année? 103 ans, c'est pas ça. Non, c'est pas 100. Combien, vous avez... Avant, on m'avait dit quoi? Non? Non, vous avez rien dit. 98, bonne réponse, 98 ans. Ah, c'est le garçon là-bas. Voilà, c'est un gourmand, ça se sent tout de suite. Eh oui, on reconnaît bien les gourmands. On va s'approcher un petit peu encore, peut-être on retournera du côté de la ligne. Alors, on continue. Combien de sachets Haribo sont-ils distribués sur le Tour de France? Combien? C'est plus, du... non, c'est plus d'un million. C'est moins de 3 millions. $1,500,000, c'est une bonne réponse. T'as un drapeau breton, toi? D'accord. T'es pas bretonne, mais t'as un drapeau breton. C'est pas gênant. Hein. Vous habitez en Bretagne? Bah ouais, mais bon, elle est bretonne un peu quand même, alors si vous habitez en Bretagne. Un tout petit peu. Vous m'expliquez comment? Elle est lorraine. Si jamais il y en a pas, je te laisse manger. C'est la lorraine. C'est pas le même drapeau. Hein. On continue encore avec une petite question. Il en reste 4. Oh, dis donc, vous êtes généreux. Oh là là. Oui, bah toi, t'as pas besoin de manger des bonbons, t'es comme moi, t'as pris. Trois quarts d'heure environ, nous aurons les cadets juniors de l'opération continentale cadets juniors qui font les 30 premiers et les 20 derniers kilomètres de l'étape du jour avec donc des jeunes cadets, cadettes et juniors qui sont présents dans le peloton aujourd'hui. On en reparlera. Puis dans quelques minutes, on vous donnera également la possibilité de remporter des bonbons Haribo avec notre ami Clément qui sera. C'est pas en deux. Allez, on passe par là, hein. C'est après 1920, c'est après, après. Non, non, c'est bien après, bien après, bien après. Non, c'est après 43 encore. Pardon? On s'approche de petit... De... Ouais. C'est pas 68. Non? 67. Tu me dis? 67. 1967, excellente réponse. Voilà, et enfin, la dernière question. Ouais, alors la dernière question, ça va être très simple. Il va falloir me chanter le slogan Haribo. Alors attends. Comment tu t'appelles toi? Alors on évoquait les partenaires, on va parler des partenaires du club du Tour de France avec LCL qui parraine depuis plus de 30 ans le maillot jaune de leader au classement général. Nous avons également Hypermarché Carrefour, Supermarché Market avec le maillot aqua rouge de meilleur grimpeur, Skoda Auto le maillot vert qui récompense les sprinteurs, le classement par points comme on l'appelle, et puis Vittel logiciel du tour sur mon équipe et largement. Depuis l'ouverture de cette année, une portion descendante, une petite cuvette qui est assez étroite et ensuite, eh bien, ça remonte avec une épingle sur la gauche, un pourcentage assez impressionnant. Et il n'y aura pas de place pour tout le monde, ça va être une course de placement. Il faudra basculer dans les 10 premiers pompiers de cette course sans poser. Sinon, eh bien, ce sera gagné.
qui est ici à la 6e position, le porteur du maillot vert, parrainé par Skoda. Il y a Philippe Gilbert qui est bien placé aussi, Greg Van Avermaet, le cyclisme belge est bien là avec les coureurs français, Christopher Froome également aux alentours de la 3e place, le maillot à bois de Dion Smith qui remonte actuellement Guillaume Martin. On a également 400 mètres avec Peter Sagan qui se replace. Peter Sagan donc ici bien placé avec le porte du maillot vert, le maillot jaune également. Qui est en première position. On est à 300 mètres, c'est le dernier virage. Mesdames, messieurs, dernier virage. L'arrivée dans quelques instants, le sprint qui est lancé maintenant par Van Avermaet. Van Avermaet qui lance Sagan et deuxième. Impressionnant en aisance et de puissance, garçon qui ne cesse de vous étonner, et puis le champion du monde qui en a 5 maillots verts, qui vient être évidemment pour l'instant lancé, on va dire, comme une balle en direction des champs. On en est loin évidemment, mais il marque les esprits déjà au niveau de ce maillot vert qui a évidemment été remporté pour la 6e fois après l'année précédente où il a eu une certaine infortune. On le rappelle à Paris, c'est vrai qu'il y a des honneurs, est-ce qu'il y a une heure forcément à découvrir les recrutements? Pepek, you have the key for this. No, no, no. Yes, it was impressive. You know, you win that race, but also the team did an amazing job, and at that time we are very happy that it works and that we two stage wins, the green jersey, could it be any better? In the moment we are very, very successful and happy with this situation, but still we have some goals and we will work on the and also the next day. The way Peter was positioning in the final, we saw Greg was trying to attack, they all tried to attack, and he was always well placed. It must be also a very, very good moral booster for him. Yes, sure. It's every time nice to see when the guy is in the right position and all the situations under control, and that can be done today, and we are happy and we will celebrate that. Tomorrow is another day, but do you think it's too hard? Dwa krótkie, dwa długie, jak zwykle. Cześć, na razie. Wieczór. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
Bon, bon, bon.